FBI. Spécial dédicace au vapoteur en colère qui ne lâche pas l'affaire. Face au scandale phénoménal international, tu dois savoir qu'agir contre la vape est un crime contre l'humanité. Et souviens-toi que vapoter n'est pas fumer. Je le sais. C'est ma vapote, elle est devenue ma pote. Celle qui m'a sauvé, qui m'empêche de fumer. Salut à vous les vipers, les non-vipers et les fumeurs. Merci d'être là aujourd'hui sur ma chaîne comme d'hab. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle gamme de juice qui viennent d'arriver. Enfin, à vrai dire, il y a à peu près un petit moment de ça qui sont là. Mais bon, on ne peut pas faire toujours ce qu'on veut quand on veut. Mais voilà, donc je suis décidé à vous les passer en revue. Voilà, c'est le packaging que j'ai reçu et on va l'ouvrir ensemble. Vous aurez une gamme de juice, 5 juice pudding qui sont plutôt on va dire gourmands, et ça c'est les mixed qui sont un peu spéciales, donc vous pouvez lire, mais je vous expliquerai tout en revue. Je vais faire mon petit retour là dessus donc je passerai certainement d'abord les gourmands et après je vous passerai les plutôt fruité, enfin vous verrez, hein, je vous expliquerai un peu plus. Donc on va revoir le packaging, hop là, ensemble, sympa, d'ailleurs je les remercie. Je vais vous donner le nom exactement de la boîte, enfin de la boîte, ceux qui les fabriquent. Voilà, hop là. Vous voyez, ça m'arrive comme ça, hein. Donc on peut les remettre en place, bah oui parce que je les ai goûtés, donc voilà. Donc comment vous dire, s'en fiche derrière comment ils sont, à vrai dire le plus important c'est qu'ils soient, à vrai dire je les ai mis dans l'autre sens comme un idiot, c'est pas grave. Ah, on va faire ça comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, on va le faire dans l'autre sens, allez on y va, au moins c'est naturel. Ah, c'est plus joli. Voilà, mixed, voilà, ça arrive comme ça, mixed, c'est cela, c'est les space, ils sont tous en 20-80. Quand je dis space, c'est parce que c'est plutôt fruité, tout ça et tout. C'est pas mal, pas mal. Donc, vous aurez 5 juice en 20-80. Et 0,36 ou 0,39 mg de nicotine. Je vais vous dire ça tout de suite, puisque moi, c'est à l'envers. Ta-ta-ta, 0,36 mg. Donc, cela, c'est les mixed. Voilà. Et les autres, voilà. Pudding. Donc si vous pouvez voir, enfin moi je vais vous le dire, 0,36 mg de nicotine, ils sont en 80 de VG, pardon, excusez-moi, et 20 de propylène. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais, vous voyez, c'est un beau petit coffret, c'est sympa, hein. Donc je les ai goûtés, bien sûr, je les ai remis dans les petits cartons pour que ça fasse plus joli. Donc je vais vous passer cela d'abord, et après cela, je vous dis mon ressenti. Et après, puis voilà quoi. Donc, ceux qui me les ont envoyés, alors c'est pareil, c'est la marque Lavla. Hop là, je sais pas si on va faire un petit focus dessus. On va faire ça, ce sera peut-être plus sympa pour moi. Churidic. De toute façon, de toute manière, faut pas. Voilà, vous prenez pas la tête, vous aurez le lien sous la description. Voilà, là, il y a un reflet assez important de ma lumière. J'ai une très mauvaise lumière aujourd'hui. Voilà, Shoreditch, c'est pas évident, Shoreditch, c'est anglais, hein, d'accord. Alors, ça c'est une petite carte, comme quoi ils m'ont envoyé ça, c'est gentil, bien sûr, et puis, quelques petites explications. Il y a une opération éventuelle qui pourrait être faite, je vais vous dire ça tout de suite, comme ça, ça sera fait. Pour les professionnels, pardon, excusez-moi, pour les professionnels qui seraient intéressés de recevoir cette gamme de juice et d'autres aussi, auront un code que je mettrai, sous le lien de la vidéo, d'ailleurs avec d'autres liens de vidéo, pour qu'ils puissent bénéficier, je crois, de 20% dès la première commande. Voilà. Donc, par contre, j'ai essayé de demander pour que les vapotos, eux aussi, aient le droit au moins d'avoir, dès leur première commande, des avantages. Donc, j'attends toujours une réponse. J'avoue que je suis pas trop content là-dessus.
Mais au moins qu'on fasse un effort d'un côté comme de l'autre. Hein. Faut pas oublier que s'il y a des shops qui vont vendre, c'est aussi parce qu'il y a des vapotos qui vapotent. Ok? Bon, allez, ça c'est la première. Je la coupe et puis je repasse pour la suite. Allez, à tout de suite. Bah, me revoilà. Donc, j'ai décidé déjà de vous passer le premier, celui-ci. Déjà, je vais vous parler du packaging quand même. Donc vous recevez ça, excusez-moi pour les petits bips derrière, mais bon j'ai oublié de couper le téléphone comme d'hab. Une petite notice explicative qu'on lit jamais, mais bon, TPD oblige, pour ceux qui veulent la lire. Un beau petit packaging hein, qui vous indique plein de choses comme quoi, voilà, il faut être majeur, etc. etc. C'est TPD ready, hein, je vous le dis, bon, il n'y a pas de... voilà. Hein. Donc on va faire le pink. On va commencer par celui-ci, d'accord? C'est, je vais vous dire tout de suite ce qu'il en est. Alors, comme je vous ai dit, je les ai déjà goûtés. Donc, vous recevez ça dedans. La fiole, elle est là. Voilà, c'est une belle petite fiole. Bing, 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 ça fait du bruit. Super génial. C'est désolé pour les reflets. C'est vrai que c'est agaçant. Ça m'embête un petit peu. Pas comment je vais faire ça. J'ai toujours emmerdé avec les lumières. Moi. Enfin, bon, c'est pas grave. On est entre nous. Bon, c'est une belle petite bouteille, mais je pense que les bouteilles, vous faites pas tous des collections de bouteilles. Vous pouvez voir les indications qu'il y a dessus. Comme d'hab, voilà. On va faire un petit focus. Voilà. Super les doigts en ce moment. Hein. Voilà. Tac, tac, tac. Enfin bref, on voit rien. 0,3 et 6 mg de nicotine. Je pense qu'ils auraient pu monter un peu plus, mais ils sont pas les seuls malheureusement qui s'arrêtent à 6 mg de nicotine. J'ai l'impression que c'est fait vraiment que pour les primos, et tant mieux pour eux, mais les primos ont besoin de 12, 14, voire 16, voire 18 mg de nicotine. Voilà, c'est mon ressenti. Donc ça, j'ai mis ça dans un tube méca. J'ai pas besoin de citer le tube méca, on s'en fout. Sur un single, donc à chaque coupure, bah je repasserai un jus et voilà, là c'est juste pour vous montrer un jus. Je changerai de coton et on verra ça ensemble. Je vais vous dire déjà ce qu'il en est, d'accord? On va voir si ça marche. Oui, ça marche puisque je l'ai fait tout à l'heure. Donc, on voit ça ensemble, c'est le premier. Donc il se lance en France, hein, c'est un projet, bon voilà, ils veulent à tout prix taper le marché européen et donc ils tapent la France. Donc on va voir un peu ce que ça vaut. Hein. Alors bon, alors je lis, hein, soigneusement un pink pudding, une pomme somptueuse, un crumble au mur avec une généreuse cuillerée de crème anglaise. Bon, comme je vous ai dit, c'est une custarde un peu, donc crème anglaise, avec une collation après-dîner extrêmement satisfaisante. Donc on va voir ça. Par contre, qu'est-ce qu'ils disent encore? Je crois qu'ils parlent encore d'autre chose. C'est pour vous. On va voir ça. Bah, comme je dis, 0,36 et en 20,80. 20 pg, 60 vg. D'accord? On va voir ça. On va voir si je sens tout ça. Et c'est parti. Oui, je vous le mets devant. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a dedans. Hein. Voilà. Donc c'est ce qu'il y aura dedans. Voilà. Déjà, je trouve que le goût est pas mal. Il est pas mal fait. Déjà un bon goût. Un bon goût déjà. On sent la pomme. Ça me plaît bien parce qu'on sent la pomme. On sent le crumble, oui aussi, effectivement. Le crumble, la pomme, ça c'est vraiment top. Je cherche mes trous là pour me mettre en face parce que je me suis mis en single parce que si à chaque coup je dois changer de coton, j'ai pas fini. Hop là. Là carrément, là je sens carrément une note de fruits qui arrive vraiment assez fort. Donc la pomme me remonte très très bien. Qui passe pratiquement au-dessus du crumble, mais on sent le crumble derrière. Cette crème anglaise, ouais, c'est pas mauvais. J'aime bien. J'aime bien, c'est pas écœurant, pas du tout. Pour du 20-80, je trouve ça pas mal du tout.
Alors moi je dirais que ce jus, ce qu'on sent surtout, c'est déjà une pomme avec effectivement le crumble, hein, avec les mûres. Les mûres, elles arrivent tout doucement. Il est bien fait, il est bien rond en bouche. Ça vous prend vraiment bien la bouche et c'est vraiment très agréable en bouche. Franchement, j'aime bien là. Franchement, ouais. Les fruits sont impeccables. Le crumble, la pomme au démarrage, le mûr. En inhalation directe et indirecte, c'est pareil. On sent bien la mûre, on sent bien la pomme, surtout la pomme qui ressort. Ah, c'est un mix de fruits. Enfin, quand je dis mix, c'est-à-dire qu'on sent bien la mûre, mais on sent bien la pomme. Et ce petit gâteau derrière, c'est vraiment très bon. Franchement, c'est bon, sérieux, hein. Cette crème anglaise qui fait son travail, elle arrondit tout ça. Voilà. Bah écoutez, moi celui-là, je le valide parce que franchement, je le trouve bon. J'avais tapé déjà dedans un peu, mais ça m'a pas laissé perplexe une seule fois quand je l'ai goûté. Alors, à l'odeur, il sent très bon, mais il est nettement meilleur quand vous le vapez. Donc, pour moi, ça, c'est validé. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir, bah, n'hésitez pas. De toute façon, je vous mettrai les liens sous la description. Je sais plus combien ils valent. Je vous dirai ça tout à l'heure, de toute façon, à moins qu'il y ait un prix. Mais en général, en Angleterre, c'est pas cher. Voilà. Mais j'aimerais bien qu'ils mettent un petit code promo pour vous, hein, les Vapotos. Bon, pour moi, c'est validé celui-là. Je le prends et on passe au prochain. Hey, c'est parti. Yes. Bon, allez, j'ai décidé de ne pas me mettre en gros plan, en plan série, parce que c'est pas trop mon truc. J'aime bien montrer ma tronche. Bing, bing, bing. Et le téléphone. Je trouve que c'est mieux comme ça. Donc là, on va parler d'un nouveau juice que j'ai là depuis tout à l'heure. Je vape. On en parle tout de suite. Donc, vous, alors pour ceux qui arrivent, bon, je ne veux pas me répéter tout le long à chaque fois. Hein. Gamme anglaise. Là, on va faire les gourmands. Et après, on va faire cela. Hein, les twists. On va voir un petit peu les mixed, du moins les twists. C'est pas grave. Les mixed, c'est-à-dire c'est un peu plus complexe. Voilà. Donc on se fait les gourmands. Voilà. Donc là, je vais partir. Je vais lire pour vous parce que moi, j'ai goûté et je vais vous dire un peu ce qu'il en est. S'en fout des messages. Voilà. Donc, on est ensemble, les potos. J'espère que vous allez bien déjà. Donc, il faut savoir déjà, tout à l'heure, je ne vous ai pas dit, ils valent 4,99 €. D'accord? Livraison gratuite au Royaume-Uni. C'est pour ça que j'insistais un petit peu pour voir. Je leur ai demandé s'il pouvait y avoir un petit code promo derrière, ou soit les frais de port sont offerts ou autre chose, j'en sais rien. Je ne peux pas vous en dire plus. Si jamais ça arrive après, je replègue un bout de vidéo dessus ou je mettrai une description pour voir. Enfin bref, faut toujours aller voir dessous mes vidéos parce qu'il peut y avoir des codes et tout. Voilà, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Donc là, on va parler de ce juice. C'est. Alors attendez, hop là, parce que j'aurais pu le faire autrement. Alors, juridique, c'est pas des nooch bananes françaises, toast et liquide. Donc, c'est un toast liquide français à la banane. Voilà, donc livraison gratuite, c'est un pain gris à la banane. Son point fort, 0 mg 3 et 6 mg de nicotine. J'appelle pas ça forcément un point fort, mais bon, c'est mieux que rien. J'aurais pensé qu'ils auraient été au moins à 9 mg de nicotine, voire 12 mg de nicotine, voire même plus. Enfin bon, écoutez, ils se lancent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre, ceci dit, toujours en VG 80 et 20% de PG. D'accord? Alors, c'est fabriqué au Royaume-Uni. Et voilà, je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est que, voilà, 80%, pourcentage VG, PG, 101, enfin bref, voilà. Donc, j'en ai marre des messages, ça devient un petit peu lourd. Je suis désolé, tant pis, ça fait partie de la vidéo. On est ensemble et on goûte ça. Donc, le packaging, c'est celui-ci. Je ne sais pas si je vais arriver à faire un petit zoomos dessus. J'espère, parce que depuis tout à l'heure, ça merde. Voilà, donc, c'est une banane. Voilà. French toast banane.
et on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Toujours packaging, nickel. Hein. Donc faire attention à la nicotine. Tout y est, je dis bien. Hein. Sécurité enfant. Par contre, ça, j'aimerais bien comprendre à quoi ça sert. Les petits picots, là, je me suis posé des questions. Mais par contre, c'est super, super grande pipette pour bien remplir. La fiole est correcte. Tout y est. Hein. De toute façon, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc, ça sent très bon. Et c'est meilleur à vaper. Donc, je vous dis tout de suite ce que je suis censé de ressentir dedans. Hein, d'accord? Alors, on devrait sentir, j'ai bien dit, du pain grillé, une pointe grillée et à la banane. Un pain grillé à la banane. Ben, on va voir si c'est vrai. Hein. Pourquoi j'ai une pointe forte? Parce que c'est marqué. Oh, ça m'énerve. Je vais couper le téléphone. Hein. Changer le coton. C'est pas mal, mais c'est moins prononcé que l'autre d'avant. Hein. L'autre d'avant, j'aimais beaucoup plus. Déjà, l'autre d'avant, ça, c'est ma préférence déjà, l'autre. Enfin, par rapport à celui-ci, je préfère l'autre déjà. Hein. Je sens très peu la banane. Je la sens, mais elle n'est pas hyper présente. Oui, ratio VGPG, c'est impeccable ça. Hein. Sur 3 mg de nicotine. Le hit. Il est assez fort, mais peut-être pas encore suffisamment pour moi. Ça dépend des moments. Il y a un truc qui m'étonne quand même. Enfin bon, je vais regarder quand même. Alors, ta 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 ta. Le bien, le hit est bien en 3-6 parce qu'on sait jamais. Parfois, ça arrive que dans un packaging, ils vous mettent du 6 ou du 3. Ça peut arriver, il faut faire attention. Souvent, ils font des mixtes comme ça. Voilà, donc vous avez aussi l'étiquette comme d'hab, hein, enfin dedans. Bon, écoutez, pour moi, celui-là, la banane, on sent la banane, mais pas tellement forte. On sent plutôt le pain grillé. Donc, si vous avez une préférence pour le pain grillé à la banane, je veux dire que c'est plus pour vous. Niveau puissance, ils sont pas tellement puissants. Enfin, celui-là, surtout, il n'est pas puissant. L'autre, il est beaucoup plus puissant. Il est beaucoup plus en bouche. On le sent nettement mieux. J'apprécie plus l'autre. J'arrête, je vais arriver au dry hit. Ouais, ça fait 3 fois que je tire dans la tronche, là, depuis tout à l'heure. Bon, écoutez, pour moi, il n'est pas mauvais. Mais. Je veux dire que la banane est plus derrière que le pain grillé. Ceci dit, il n'est pas mauvais du tout pour celui qui aime le pain grillé plus que la banane. J'aurais bien aimé avoir un peu des deux mixtes qui restent un peu dans la gorge ou quoi que ce soit. On le valide aussi, hein, si vous voulez, je le valide, mais ça ne fait pas partie pour l'instant de celui que je préfère. Je coupe et je passe à l'autre, ok? À tout de suite. Salut, me revoilà. Petit café entre les deux. C'est bien ça. Niveau des papilles, celui que je vais vous passer, c'est plutôt en genre le genre de juice que j'aime bien vaper. Alors, pour revenir à tout à l'heure, le premier que je vous ai fait, ça, il s'appelle le Ping. Le Ping, celui-là. Ok. Après, j'ai fait le banane, donc le louche. Parce qu'il faut après aller chercher sur le site. Hein, louche. Donc c'est pas évident. Bon, c'est pas évident une fois que vous avez compris. Et là, Punker. Ok, c'est parti. Hop, toujours coton propre. Enfin, coton propre, j'en ai mis, j'ai vapé dessus un peu là. Donc j'allais vous montrer quand même que je triche pas, que je veux remettre encore un petit peu de jus d'ailleurs. Donc là, on va partir sur. Sur quoi? On va bouger un petit peu ça parce que j'aime pas. Avoir la tête ici, là. Comme ça, c'est mieux, je vous regarde. Je suis en face, enfin, j'espère. Alors, c'est le Punker Citron meringué. C'est un E liquide. On est bien d'accord, c'est des E liquides depuis le début. Hein. Toujours 0, 3, 6 mg en 20-80. Voilà, donc joli quand même. Hein. Alors, c'est une tarte meringuée. Citron, voilà, aromatisé. C'est tout ce qu'ils disent. Bah, de toute façon,
Une tarte meringuée, toujours, hein, toujours les pochettes, tout ça, TPD ready et tout et tout. Voilà. Alors, celui-là, j'ai déjà foutu pas mal de coups dans la tronche. On va mettre un petit peu d'ailleurs. On va voir si on sent cette tarte meringuée. Alors déjà, rien qu'à l'odeur, c'est une tarte meringuée. Moi qui adore ça. Oui, j'avais oublié mon téléphone, faut qu'il me parle un petit peu, mais ça va pas le faire. Résistance 0,35 ohm. Donc vous faites le calcul de la loi d'Ohm. Je suis à peu près, on va dire 50 watts à peu près maximum. Par rapport à ce qui me reste dans mes accus. Hein. Alors première chose qu'on sent et que je sens depuis tout à l'heure d'ailleurs, que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on sent vraiment ce citron. Une tarte meringuée citronnée, pour moi, c'est quelque chose que j'adore. J'en ai goûté plus d'une tarte meringuée, des juices qui sont plus ou moins bons les uns que les autres. Et j'avoue que le leur est pas mal du tout, parce qu'il est. Après, c'est une question de goût. Hein. Voilà, on est bien d'accord, c'est une question de goût. Je le trouve très, très. Pas mal sucré. Il sort. Pardon, je postillonne. Ah, elle est pas mal celle-là. Un peu plus sucré que les autres. Que j'ai déjà goûté, que j'ai bon voilà. Mais souvent c'était du dail aussi, hein, du dail. J'ai goûté en liquide. Alors moi j'aime beaucoup. Je vais parler de celui-ci. Le goût citron arrive. C'est pas un citron, comment dirais-je, c'est pas un citron qui vous agresse. C'est un bon petit citron léger comme il faut, mais surtout, je dirais moi personnellement, un bon citron jaune. Impeccable, mais sucré, sucré, mais bien sucré. Ils l'ont sucré. Je sais pas, vous avez déjà mangé une tarte meringuée? Et ben voilà, c'est vraiment ça. C'est le citron vraiment sucré. Et la tarte arrive autour. Impeccable. Quand je dis autour, ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment ça. On l'a même en bouche, mais vraiment bien en bouche. Et pas écœurant du tout. Alors, le défaut du citron. Bon, pour ceux qui font du thaï, ils vont le savoir, ce qui n'est pas le cas là. En règle générale, le citron, quand vous faites pour certains, quand vous faites du thaï avec du citron, une tarte meringuée, par exemple, citron d'une autre marque, et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, si vous attendez trop longtemps, tout ça, ça va se dénaturer, c'est-à-dire que le citron va s'estomper. Et là, c'est vraiment pas le cas, parce que c'est peut-être un liquide. Moi, je le trouve bon, très bon même. C'est pour ça que je les ai pris un peu dans cet ordre-là, parce que je savais ce que je voulais. Je veux dire, it's very good. Alors franchement, il est très très bon. Il est impeccable. Il est. Ah, on a envie d'en vaper tout le temps. Fait, moi j'adore ça en plus. Toujours 4,99. Livraison offerte seulement gratuite en Royaume-Uni. Après, voilà, vous pouvez faire une commande, poser un message dessus et tout. C'est une boîte qui se lance. Voilà, vous savez que les juice anglais ont bonne réputation de toute façon. Donc, je vous le dis franchement. Inhalation directe ou indirecte. J'ai essayé aussi. Alors, j'essaye sur Dripper, vous allez me dire, depuis un petit moment, j'essaye que sur Dripper. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, je pourrais essayer ça aussi sur un Natotank et tout. Mais j'avais envie d'essayer sur Dripper. C'est du sucre qu'on sent vraiment avec surtout ce citron, le sucre, le citron et ce mélange avec la meringue. Les trois sont bien associés. Je vous dis franchement, les trois sont hyper bien associés. Même par rapport à d'autres que j'ai déjà goûté, ils sont hyper bien associés. Donc les trois vous font un cocktail magnifique. Franchement, je valide à 100% celui-là. Franchement, il est très bon. Là, moi, il va passer en tête de liste, celui-là, pour l'instant. Voilà. Donc, je vous dis, il passe en tête de liste. Je vous récupère tout de suite pour le prochain. J'espère que je ne suis pas trop long. Hein, on est entre nous, comme d'hab. Et je vous dis à tout de suite pour le prochain. OK?
Et me revoilà pour le quatrième juice, quatrième, un, deux, trois, quatrième juice, oui, c'est ça, quatrième juice. Je vais vous présenter maintenant un juice. J'ai changé le coton, bien sûr. Hein. Ok, vous me faites confiance. On va parler. Alors, celui-là va s'appeler le dop. Hein. D'accord, le dop. C'est Show and Tight Pudding Dop Chocolate Crêpe au liquide. Excusez-moi pour la prononciation. C'est Show and Dish. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, non pas sous la description, sous la vidéo. Donc cliquez tout en bas à droite, il y a une toute petite icône. Vous cliquez dessus, toujours des descriptions. Toujours, même si je ne le dis pas, allez faire un tour, il y a toujours des liens très utiles. Voilà. Donc celui-ci, c'est pareil. Donc bon, la boîte. Bon, bah, je vous la montre quand même. Hein. Voilà, on va mettre ça à l'endroit. Voilà, ok. J'espère que c'est. Ouais. Non, c'est à l'envers. Bon, ça a douté. Ah! C'est une crêpe au chocolat aromatisé. D'accord? 20-80, toujours. 3 mg de nicotine pour ce qui me concerne. Et vous pouvez les avoir à 4,99 euros. Voilà, donc je suis sur une page qui a été traduite. J'espère que la conversion a été faite. Voilà, enfin bref. Inclus TVA. Donc en plus, il y a l'inclus TVA. Hein. Et à chaque coup, vous gagnez des points de fidélité quand même. Ça, c'est important. Vous pouvez gagner des points de fidélité en allant chez eux. Voilà, donc c'est effectivement une crêpe au chocolat aromatisée. Et on va voir ça tout de suite. Alors, la fiole, la voilà. Ah, c'est une belle petite fiole, bah comme les autres. Hein. Alors, c'est des nouveaux juice, hein, je le dis toujours, nouveau, nouveau news. C'est nouveau, 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 nouveau. Il se lance en France pour ces juice. Donc, bah, je dis pas ça pour que vous achetiez à tout prix, mais c'est simplement pour dire que voilà, et vous savez, comme je vous ai dit, beaucoup de juice anglais sont franchement pas mal. Donc, on va goûter du chocolat avec une crêpe. On va voir si je trouve ça dedans. Hein. Alors déjà, franchement, le chocolat, on le sent plus ou moins. On va voir. On sent effectivement un goût de chocolat. Un chocolat très léger. Je dirais plutôt un chocolat au lait qu'un chocolat noir. Hein. La crêpe, j'ai du mal. Je sens bien qu'il y a quelque chose derrière, un petit biscuit ou quelque chose comme ça, mais une crêpe, ça n'aurait pas été marqué, je ne l'aurais pas trouvé. Hein. M'a fait pareil l'autre fois. Je crois même d'ailleurs j'avais essayé sur un petit atti split, quand même un très très bon atto. J'avais pas trouvé le goût de la crêpe. Je vais remettre un peu. Moi je dis que c'est un chocolat très léger, mais je dirais, je sais même pas si c'est pas un chocolat blanc, mais je crois pas. Moi je dirais plutôt que c'est un chocolat au lait, mais vraiment, on dirait un chocolat au lait, ouais. Je dirais pas que c'est un super bon chocolat. Je vais être franc. C'est pas un très très bon chocolat. Moi, j'ai goûté des chocolats qui étaient nettement plus. Enfin, qui ressemblaient ou qui s'approchaient réellement du chocolat. Hein. Ça, c'est clair. C'est pas top top. C'est bon. C'est un goût de chocolat. La crêpe, je la sens pas. Je sens bien qu'il y a quelque chose derrière, c'est-à-dire. Genre une petite viennoiserie, quelque chose comme ça, il n'y a encore même pas une viennoiserie, je raconte des conneries. Je sais pas, comme un petit gâteau, mais on peut pas. J'ai du mal, franchement j'ai du mal. Mais pour ceux qui aiment le chocolat pas trop fort et quoi que ce soit, c'est genre style chocolat au lait. C'est bon pour vous. Pour moi, je veux dire que c'est bon pour vous. Donc celui-là, comment il s'appelle On le surnomme le dop, voilà, le dop. Donc vous allez dessus, vous tapez dop, de toute façon vous verrez, il y aura les 5 jus, plus les autres que je vous passerai après, hein. D'accord?
Niveau vapeur, tout est impeccable. Mais le chocolat, par contre, il n'est pas assez puissant. C'est un petit chocolat léger, très très léger. Je pense qu'il devrait pousser un peu plus dans le chocolat. Et ouais, puis la crêpe aussi. Enfin, les deux. Les deux, on va dire, on va pousser. Et il a besoin d'être travaillé, celui-là, je pense. Voilà. Alors, on passe au prochain. Et puis après, je vous dirai au revoir. Ok? Ça marche? Allez. Salut, re-salut. Et voilà pour notre dernier juice. Notre dernier juice, tout du moins, pour cette gamme pudding. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous donner le nom. C'est le boss. Toujours. Voilà. On va le mettre comme ça à l'endroit. Espérons que c'est le boss. Ah, ça ne va pas vous parler, j'en sais rien. J'arrive pas à voir. Enfin, bref. Toujours le packaging. La fiole, toujours. TPD Ready, truc pour les aveugles, malvoyants du moins, etc. etc. Tout y est. Là, 3 mg de nicotine en 20-80 VG-PG. Oui, VG-PG-VG, 30 de PG et VG-80. Voilà. Donc, je vais vous donner le descriptif. Donc, ça vient de Shuridic, toujours. Shuridic qui lance sa gamme, hein, on répète, on répète. Donc ça s'appelle le boss, c'est le Strawberry Pavlova E-Liquide. Alors moi quand j'entends Pavlova, Plavova, pardon, excusez-moi, je me suis posé des questions quand j'ai goûté l'autre fois, quand je les ai eues, enfin bref, etc. Et je me suis dit c'est quoi? Bon, à part effectivement que bon c'est un Strawberry, tout le monde a compris, donc c'est une fraise. Pavlova aromatisé. Donc, je suis allé l'autre fois aussi pour chercher un petit peu. Là, après l'avoir goûté, j'ai senti plein de choses, mais je voulais en savoir un peu plus. Faut pas mourir bête, hein. Donc, je vais vous dire en gros ce que c'est. Pop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 
C'est sympatoche, mais il faudrait pousser plus, soit vers la fraise ou faire un mixte beaucoup un peu plus relevé. Pour moi, ça demande à être relevé. Peut-être que ça demande à être steepé encore plus. C'est pas mal. Je veux dire que c'est pas mal, mais il y a un manque de quelque chose. Je sais pas quoi. Il y a un manque de quelque chose. Je trouve qu'ils sont enfin, celui-là, puis je dirais les trois autres aussi manquent un peu de punch. Voilà, mais il y en a pour tout le monde. Il y en a qui aiment. Par contre, c'est bien sucré. Ça, par contre, je voulais le dire, c'est bien sucré. Si vous aimez bien le côté sucré, c'est bien sucré. Il y en a un autre qui est encore plus sucré, c'était lemon, encore plus sucré. Donc là, ça correspondait beaucoup plus à mes attentes. Mais il n'est pas mauvais du tout, hein. Attention, j'ai pas dit qu'il était mauvais du tout. Mais voilà, si j'avais pas su ce que ça voulait dire, Pavlova, parce que c'est pas évident, je n'aurais pas trouvé. Voilà, il fallait voir la recette. Après, vu la recette, il dit bah tiens, effectivement, je sens certains arômes dedans et tout. Voilà. Mais bon, la fraise elle y est, le côté un peu crémeux de la fraise, etc. Avec la fraise, du moins, ça c'est une bonne petite harmonie sympa. C'est sucré juste comme il faut à soin. À souhait, à souhait, à souhait, c'est mieux. Et puis voilà. Bah écoutez, j'étais ravi de vous présenter donc Shoreditch. Donc ils ont cette gamme-là et il y en a une autre qui va arriver toujours chez eux que je vais vous présenter bah, dans les jours qui suivent hein, parce que je laisse un petit peu d'espace et puis bah, je vous dis à bientôt en espérant que ça va vous plaire. Donc je vais si jamais j'y arrive à avoir un code, j'ai bien dit un code promo, je m'avance pas trop j'espère parce que je leur ai demandé gentiment, je me ferai un plaisir de le mettre dessous. N'oubliez pas aller faire un tour sous la vidéo pour voir s'il y a une description quelconque. Voilà. Donc pour les professionnels, je vous l'ai dit au départ, les professionnels, vous pouvez, il y aura un code promo pour votre premier achat chez eux qui sera pas négligeable de 20%. Voilà. Donc j'aimerais bien qu'il y ait au moins un effort au niveau des vapoteaux. Ça, c'est moi comme ça, je le vois. Si c'est pas fait, c'est pas fait. J'y peux rien. Je suis désolé. Voilà. Bah écoutez, en attendant, je les remercie de m'avoir envoyé ces juices et puis je vous remercie encore d'être encore sur ma chaîne. Puis je vous dis surtout n'hésitez pas, je monte en abonnés, je suis content, tout doucement mais sûrement. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ça ne coûte rien du tout, juste à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche parce qu'il y aura, comme je vous dis, des nouveautés, des choses. Comme je vous ai dit, celle-ci, j'aimerais bien faire un petit retour sur la Tesla. La Tesla, hein, il y a le Roload, le Tesla, la Tesla aussi, et dire pourquoi certaines choses. Enfin bref, j'en dis pas plus pour l'instant. Likez, commentez et partagez s'il vous plaît. Merci beaucoup et je vous dis, reprenez pas la clope. Allez, à bientôt. Salut.